Deepinate, c'est un projet, c'est une formation finalement qui remonte avant l'esprit du clan dans mon cas. Donc ça fait 10 ans que je suis dans ce groupe-là. Voilà, avec donc mes amis de longue date, Vincent et les autres. Voilà, on arrive à 10 ans et on en est à notre troisième album. Voilà, qui sortira en juin très probablement. Et voilà, on a une date à Paris le 22 février à la Boule Noire. Et on a certainement des dates qui vont tomber avec Decapitated, Cannibal Corpse. Enfin, voilà, c'est un projet qui me tient tout autant à cœur que l'esprit du clan, qui me permet d'être dans l'équilibre, comme je te disais, entre le jeu extrême de Deepinate, le jeu peut-être plus ouvert, plus soft de l'esprit du clan. Ça part de compos de guitare, ok. Tu as une ligne MIDI qui est brièvement écrite. Moi, je repasse par-dessus et j'ai carte blanche après en termes d'arrangement, de break, de groove. Voilà, et on discute ensemble des structures. Personnellement, je fais en sorte que la forme se comprenne, donc qu'elle soit moins prog. Un peu de mal avec ce registre-là, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc j'aspire plutôt à des formats chansons, mais avec un contenu dur pour autant. Yamaha, Paste, Earbay pour les monitors, Pourka pour les baguettes, Evans pour les pots, Serial Drummer voilà, pour les vêtements, encore une super initiative. J'espère oublier personne, non a priori c'est bon. Voilà, j'ai en partenaire également Magasin Musique Essonne voilà, qui me soutient bien au niveau de la communication. Ah ouais, j'aime beaucoup, parce que pour moi il est intimement lié à l'enseignement et à l'aura artistique. Tu vois, c'est un mix des deux et ça s'embrique vachement bien. Donc, et c'est des moments où je peux faire des solos de batterie. J'ai toujours aimé solo de batterie. Voilà, sans prétention, hein, je fais. Je fais au mieux, je fais en sorte que ça me plaise, bien sûr, que ça soit participatif. Et c'est des moments où je peux m'exprimer de cette façon-là. Ce qui est moins évident sur un set d'esprit du clan ou Deepinate, où tu sais, t'as un timing à respecter. Et parfois, bon, ça parle pas à tout le monde, tu vois. C'est, faut que ça fasse unanimité, je pense, dans un groupe. Tu peux pas imposer un solo de batterie. Je me sers de mes outils, des outils pédagogiques que je connais pour solutionner des problématiques, tu vois, rapidement. Voilà, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de jouer un temps considérable pour arriver à mes fins. Et je te dirais qu'après, pour la partie entretien, j'ai un coach sportif, voilà, depuis 2 ans. Voilà. Ce qui fait que je ressens moins la difficulté physique, voilà, le côté physique et un peu sport du drumming extrême. J'ai la tournée de Deepinate qui m'attend, donc voilà, ça va nous tenir 2 ans. Les démos pour Yamaha, pour les marques, voilà. L'enseignement toujours, et puis j'ai envie de passer plus de temps sur les drum covers. Voilà, avec pourquoi pas un débit d'un drum cover par semaine à terme. Voilà, parce que c'est trop mortel.